De retour dans Touche pas à mon poste après quelques jours d'absence, Raymond Abou s'est confié sans tabou sur ses difficultés à aborder le conflit israélo-palestinien, soutenu par Cyril Hanouna. Depuis la semaine dernière, les plateaux de télévision sont envahis de débats autour du conflit israélo-palestinien. Après l'attaque du Hamas en direction d'Israël, le 7 octobre dernier, certaines célébrités rendent hommage aux victimes de ce drame et d'autres dénoncent le silence de ceux qui ne s'expriment pas. Un silence que quelques-uns expliquent malgré tout. Si est-il le cas de Camille Lelouch, ça me terrifie. Si est-il horrible. Si est-il pour ça que je ne parle pas d'ailleurs. Parce que je n'y arrive pas, a-t-elle confié sur RTL. Un chroniqueur de Cyril Hanouna a également des difficultés à aborder cette actualité douloureuse. Il s'agit de Raymond Abou qui était absent de TPMP la semaine dernière. Lui qui a l'habitude de ne pas garder sa langue dans sa poche ne trouve pas les mots concernant le climat de tension actuel. Pourquoi Raymond Abou était-il absent de TPMP? Depuis quelques jours, le manque de tact de Raymond Abou manquait aux téléspectateurs de TPMP. Finalement de retour sur le plateau, le chroniqueur s'est confié sur ses difficultés à aborder le conflit israélo-palestinien. Si est-il la première fois que je vois autant de haine, a-t-il exprimé avant que Cyril Hanouna remarque sa peine, je t'ai senti affecté la semaine dernière, d'ailleurs, si est-il pour ça que je t'ai mis au repos, t'avais besoin de souffler un peu. Raymond Abou n'a pas réussi à cacher sa peine, ça gâche la vie parce que tu ne peux pas être heureux si tu vois des trucs comme ça tous les jours. Il a ensuite expliqué qu'il ne se sentait pas à l'aise à discuter de cette actualité, moi la semaine dernière, je t'ai dit, si est-il très dur de venir à l'émission parce que je ne me sens pas légitime, parce que je n'aille pas le bagage, parce que je ne connais pas le conflit de A à Z, alors qu'il ressent une pression à le faire, et tu te sens concerné parce que t'auras forcément des proches, des amis d'enfance, qui vont te demander de prendre parti. Je n'aille pas de camp, il n'y a pas de camp, si est-il pareil, si est-il des civils à chaque fois qui vont trinquer. Le chroniqueur de C8 a également avoué avoir du mal à profiter des petits plaisirs de la vie en cette période compliquée, j'étais très triste, je t'ai même dit ce week-end, on est bien, il y a du soleil, on est là, on va se promener mais ça gâche les plaisirs. Raymond Abou dénonce l'acharnement des internautes depuis 2015, Raymond Abou prend la parole sans filtre dans TPMP. Un rôle qui lui coûte parfois sa santé mentale. Il a en effet fait des révélations sur les dessous de sa vie de chroniqueur. Depuis que je suis là, j'ai toujours prôné, si tu viens faire de la télé, il ne faut pas pleurer après qu'on a fait un truc sur les réseaux, tu prends tout, tu prends les compliments et tu prends les insultes, a-t-il débuté avant d'avouer qu'il avait pris une décision radicale concernant les messages reçus sur le réseau social X, si est-il la première fois, en disant, que je bloque les conversations. J'ai carrément bloqué les conversations, si est-il jamais arrivé, tellement j'ai eu d'insultes, les menaces de mort si est-il peut-être 200, 300, si est-il beaucoup. Il a poursuivi en évoquant les commentaires sur sa relation avec Cyril Hanouna, tu tweets, parce que Hanouna t'a demandé, t'es le chien d'Hanouna, il t'a demandé de tweeter alors tu tweets ça. Sache une chose, jamais, même s'il me dit de tweeter, je vais tweeter le contraire. S'il me dit de pas le faire, je vais le faire quand même. Raymond Abou a révélé que même son entourage le poussait parfois à bout concernant ses prises de position dans l'émission, j'ai des conversations avec des amis de 40 ans que je connais qui me disent ouais comment tu peux justifier, comment tu peux tolérer, qui me disent, maintenant t'as changé.
ça fait mal parce que si est-y des amis, si est-y des proches, si est-y de la famille. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application Mi Canal. Thank you.